Yo tout le monde, c'est Cerise. Il y a pas mal de temps, j'ai posté une photo de moi quand j'étais petit à Noël en train d'ouvrir une PS2 et j'ai vu que ça vous avait carrément plu. Récemment, j'ai retrouvé plein de photos de moi quand j'étais petit et je me suis dit, on va les supprimer, hein? Alors je me suis dit qu'on allait les regarder tous ensemble et je me suis pas spoil pour avoir l'effet de surprise avec vous. C'est parti. Très bien, moi qui jouais avec une sarbacane à boule et avec un pull à peu près 10 fois trop grand pour moi, putain. Cette tête de démon quoi. Je vais tous vous tuer. Ou plutôt, je vais tous vous tuer, je vous aime petit garçon. Là, il y a du style ou pas? Tu veux boire un verre avec moi? Si tu veux pas, je m'en bats les steaks. C'est génial, je faisais déjà cette tête à l'époque, putain je savais pas. Alors Lucas, déjà je sais pas qui t'a habillé ce jour là mais c'est scandaleux, tu aurais dû te révolter. Regarde, le monsieur derrière l'a vu, il est pas content. C'est où ça? Je sais même pas où c'est. Et pourquoi il y a George Bush derrière, putain? Et pourquoi j'ai cette tête? C'est que... Et lui aussi! Mais quelle est cette photo? Ah, motard ou pas? Oh! L'homme qui aimait les bonbons déjà à l'époque. J'avais les dents plutôt blanches à cette époque, hein. Ah, ça doit bien dater, hein. Comment ça? Regarde, je suis fort! Avec mon pantalon décathlon! Bon, suivant. Skater ou pas? Un skater en herbe. Là, je faisais un petit rail de microbe avec mes mains. Je suis heureux! Mais comment elle me regarde, elle? Oh, elle est jalouse! C'est quoi cette tête? On dirait que je suis maquillé, mon gars! Oh, qu'est-ce que j'ai tenté là? C'est carrément parti en baston après avec elle. Ah, je crois que j'arrivais pas à la faire marcher, j'étais un peu deg. Ça... Oh, il m'a volé le pull de la première photo, lui! Hein? Je t'ai vu! Putain, j'avais le style là, hein? Plus de style que maintenant quand même! C'est ça qui me fout mal! Grâce à cette photo, j'ai pu pécho plein de filles, hein? Vraiment. À la maternelle, j'étais un peu le king. Ah oui, on peut le faire! Je devais avoir chaud quoi, à chaque photo j'ai une putain de polaire ou un gros pull de ouf. Regardez, regardez ce pull quoi, Michelin bonjour. Oh c'est quoi ça, c'est le jeu de société je crois bien. Regardez cette tête de démon. Eh t'as vu, il y a une migale là-bas. Ah bon? Ouais vas-y va la toucher, meurs fils de chien. Oui c'était un peu la guerre entre mon frère et moi à cette époque. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau en 2004? Ah bah on peut voir que j'avais pris 2 cm, c'est pas trop mal. Ah on avait plein de t-shirts comme ça, des t-shirts racailles on les appelait avec mon frère. On faisait la guerre de celui qui en avait le plus. Voilà, et il en avait le plus donc j'étais un peu insoumis. Oh regardez cet enfant et son papa. Regardez cet amour. Oh c'est incroyable. Et cette pasta box en fond. What you gonna do? Bah je fais cette tête pour séduire des filles aussi mais ça marchait pas. Oh la photo de Nier, regardez comme je suis Nier. Nier le faux sourire. Oh qu'elle est belle. Alors ça c'est mes deux demi-sœurs avec mon frère et moi. Regardez mon frère. Salut, tu veux sortir avec moi? Oh non avec moi. Non moi, non moi. Oh c'est la première fois que je vois une photo qui date autant où je suis en train de jouer. Et apparemment j'étais déjà très nul à l'époque aux jeux vidéo vu la tête que je tire. Oh équilibriste ou pas? Équilibriste ou pas? C'est ce jour. Oh, oh putain de merde. Oh, c'est ce jour là que j'ai appris à faire ça et je crois que je le faisais mieux qu'à l'heure actuelle. C'est bon, rien n'est cassé, tout va bien, on peut continuer. Oh là là, oh là. Oh, ce chat s'appelait Gizmo, il était roux, il était adorable, méga câlin. C'est chat qui voulait tout le temps des câlins, tout le temps, à tel point que t'étais là. Arrête de te frotter à moi, putain. Donc là, je passais le permis voiture après permis moto. Et c'est le départ. Et hey, t'as vu, j'assure. Ah, le t-shirt racaille, vous voyez, je vous ai pas menti. Je crois qu'ils vendaient ça au ski. Voilà, il y a plein de magasins qui vendaient des t-shirts racaille et nous on en a acheté plein, voilà. Pourtant, il était pas du tout des racailles. Je pense que ça se voit notamment sur cette photo. Aucune racaille présente. Oh là ça partait un peu en steak. Ah c'est l'accident. Et c'est l'accident, mon frère me rentre dedans. Ou alors il venait m'aider, je pense plutôt qu'il venait m'aider. Ouais si j'ai fini comme ça c'est qu'il m'avait aidé. Et c'est l'heure du bowling. Ouais. Attention il s'apprête à tirer. Il tire avec une tête de vicieux. Il reprend une boule. Et c'est la fin. On peut voir mon frère en train de décéder sur cette photo. Il allait pas très bien là. S'il vous plaît, admettez-le, tous les garçons qui regardent cette vidéo, quand vous étiez petit vous aviez cette coupe. Ne me mentez pas. Je le sais, la coupe universelle de l'enfant. Par contre, vous n'aviez pas cette coupe. Mais Florent, mais qu'avais-tu fait? Mon frère, il cherchait une coupe de cheveux un peu plus stylée que la fameuse oupette. Là, il était parti sur un délire un peu bizarre, mais après, vous inquiétez pas, il a trouvé une coupe vraiment viable et cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis là avec un chamallow dans la bouche en train de faire la brouette avec une fille qui déprime. Je préfère zapper cette photo tout de suite. C'est l'heure du ping-pong. Ah, c'est déjà fini. Voilà, après, c'est la boisson. Attends, mais c'est quoi cette tête, quoi? Qui boit comme ça? Personne. Qui boit comme ça? Personne. Oh regardez cet amour pour son père. C'est beau hein. Putain j'avais une peau lisse, c'est parfaite quoi à l'époque. C'est pas photoshopé ça, c'est pas photoshopé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je me le demande. Oh c'est un t-shirt racaille ou pas? C'est la question que tout le monde se pose là. Je crois que c'est un t-shirt racaille sauf que d'être une racaille c'est une sorte de squelette démoniaque. Au pire on s'en fout hein. Bon je reproduis bien mes grimaces de l'époque. Ah non ça c'était pas ma PS2 par contre je crois. À moins que... Oh si, c'était ma PS2. Et regardez cette joie sur ce visage de gros porc de No Life. Là, je me souviens, je me disais... Papa, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce à quoi je pense, papa? Et mon père, il était là. Je sais pas, fiston, peut-être. 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 Et là, je découvre que c'est la PS2. Oui. Voilà. Et puis on passe à de la gymnastique. J'ai fait 3 ans de gym quand j'étais petit. Et j'étais pas mauvais, hein. J'étais pas mauvais, hein. Enfin, je veux dire, j'imitais bien les animaux et tout, quoi. C'est pas mal. Bon, rien que mon coach me regarde. Genre, putain, Lucas, tes jambes, tes bras, putain. Regardez un peu cette souplesse. Dans ce petit... Cette roue pas du tout parfaite. Regardez. Cette pose est incroyable. La virilité. Voilà, c'était mes années de gymnastique. Et du coup, j'étais... Eh ben, pas sur le podium. C'est l'heure du gâteau.
Ouais, où est la PS2? Ah, j'ai eu à Noël, je savais pas. J'ouvre du Champomy. Ah, c'est mon cadeau. Qu'est-ce que c'était? Oh, regardez! Quand je vous dis que j'étais déjà un putain de geek à l'époque, c'est génial quoi. Un volant Logitech pour jouer à Gran Turismo sur PS2. Ah, voilà, là je le teste. J'avais l'air d'aimer ça, hein, franchement, j'étais content. Hein. C'est quoi ça? C'est une sorte d'imitation de Game Boy avec des jeux un peu rigolos? Putain, mais j'avais que des cadeaux comme ça quoi. Non! Pitié, non! Jean-Kevin Kikou du 78 en fort, je t'aime, sors avec moi, lol, j'ai des lunettes avec le linge derrière. Cette photo mérite d'être encadrée. Oh, c'est incroyable. Là, du coup, j'ai peur pour la suivante. Non! Non, je refuse! Oh, c'est la fin. Oh, elle était puissante celle-là. Hein. Donc là, c'est mes 11 ans avec mon corps de fœtus que je fais avec mon papa et mon frère. Ah, le t-shirt, l'incroyable Pickleman. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Oh là là, oh, les cheveux longs, c'est une catastrophe. Ah hein. Oh, non, mais ça va pas du tout. Hein. Attends, mais je savais pas que je pouvais avoir les cheveux aussi longs, sans déconner. Mais regardez-moi ça, mais si je les laisse pousser, je peux me faire un truc comme ça? Là, ils étaient tous en arrière comme un acteur plagiwoodien, voilà. L'heure de jouer aux raquettes. On dirait une scène d'un film un peu stylé et tout, alors qu'en fait, c'est pas du tout stylé. Et on joue! C'est l'heure du pipi dans l'eau! Arrêtez, je vous l'ai déjà fait. Ah, la pure photo. J'arrive pas à la faire celle-là. Bah ouais, mais c'est parce que j'ai pas les cheveux longs, donc forcément. Regardez quoi, ça me faisait une petite queue de cheval. Une toute petite, une mini queue de cheval. Une mignonne queue de cheval. Et voilà, gens, c'est tout pour les photos. J'espère que ça vous aura fait marrer. J'ai une dernière petite surprise pour vous qui n'est pas des moindres. Je vous interdis de rire, sinon je me vexe. Donc c'est une vidéo de moi où je suis en vacances à la piscine et je demande à ma mère de filmer quelque chose et ça se passe pas trop comme prévu. Je vous laisse regarder. Voilà. Neuf. Ah, la bonne grosse voix de aigu. quoi? C'est quoi ça? Oh, c'est rire de grand-mère, maman, qu'a fait. Oh, le même rire de con maintenant. Attendez, mon moonwalk n'était pas si dégueu que ça. Déjà, dans un premier temps, pour ma défense, regardez. Ça va. Bon, après la coupe, 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 non. Puis je fais un petit bruit du mec qui sait qu'il a fait un truc de merde, quoi. Si on écoute bien. Le mec, il... Parce que le truc, il est mouillé. Oh ouais, oh, le truc, il est mouillé. Oh, j'étais déjà rageux. Oh, le cas rageux. Est-ce que j'ai refait le moonwalk? Ah non, pas cette fois, non. Wow, j'en ai parfait des caisses. Attends maman, tu ne pouvais pas être plus niaise que ça. Waouh, super celui-là. Bon allez, arrêtez de me péter les couilles avec sa vidéo. Bref, bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur ces photos et vidéos qui datent pas mal. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Ça fera vraiment plaisir et ça fera plaisir à mon moi de quand j'étais petit et que j'avais 11 ans. Je dis absolument n'importe quoi. J'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est toujours des trucs marrants à regarder, surtout qu'on s'en souvient plus et qu'on se demande ce qu'on foutait déjà à l'époque. Et on peut voir que moi j'étais déjà un sacré con, hein, on peut le dire. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Merci de plus en plus nombreux à me suivre, même pendant les vacances, ça me fait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve très vite dans une vidéo, je répète, ciao tout le monde et peace, hein, voilà, j'aimerais avoir les cheveux longs comme quand j'étais petit, avoir une queue de cheval mignonne, hein.